Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Autour d'un verre. On est au bar Le Trianon dans l'enceinte du Grand Hôtel Crava, un hôtel qui appartient à la même famille depuis maintenant quatre générations, un lieu formidable où tout est d'époque et superbement bien entretenu. Aujourd'hui, on parle cinéma, on parle théâtre, puisque notre invité c'est Gilles Vresse. Vous l'avez découvert en 2020 sur Netflix, peut-être un an avant sur RTL, dans la série Capitani. C'est parti. Salut Gilles. Salut. Comment vas-tu Bien et toi ben, Ça va très bien, merci d'avoir euh, accepté euh, l'invitation pour cet ben, épisode. Avec plaisir. Euh, J'en parlais en amont, euh, tu as tourné dans la série Capitanie, dont euh, Netflix a racheté les droits, c'était euh, en 2020. Mais avant euh, de s'attarder euh, sur cet aspect de ta carrière, tu vas devoir répondre au questionnaire. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Ok. Quelle est ta ville de naissance Luxembourg. Ta ville préférée Berlin, puisque j'y habite. Ça fait combien de temps que tu vis à Berlin euh, Ça doit faire 5 ans, 6 ans, je crois. Okay. Ouais. Parce que tu fais tes études là-bas Parce que j'ai fait mes études, études là-bas et euh, maintenant ça fait un an plus ou moins que j'ai fini mes études. Et puis depuis, je viens au Luxembourg pour travailler, je rentre à Berlin. Je suis un peu entre les deux. Mais c'est sympa ça Ouais <laughs> Ton jour et mois de naissance 9 août. Le mois d'août, le meilleur mois de l'année. Plat préféré euh, J'aime vraiment plein 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 de choses, euh, mais je veux dire asperges avec sauce hollandaise. Ton film préféré Je vais en dire deux euh, Romeo et Juliette de Baz Luhrmann et Victoria de Sebastian Schipper. Quel est ton mot préféré euh... Je peux dire un mot en allemand ou en français Oui, je, je pense que le public va te pardonner, il n'y a pas de, okay. de souci. Euh, je veux dire Gemütlichkeit, ce qui veut dire en français confort, mais je trouve que justement, il n'y a pas vraiment un mot en français pour ça. Parce que ça, ça a une autre connotation en allemand mmh. qu'en qu français. La phrase ou la question que tu détestes entendre ou que tu détestes que l'on te pose Est-ce que tu veux aller à, Oli à Hollywood C'est un truc. Euh... Ah oui. Qui, qui n'aurait pas envie d'aller à Hollywood Ben franchement, j'ai pas envie. Ouais. <laughs> Justement, c'est ça, j'ai l'impression que c'est une question qu'on pose toujours aux acteurs, aux comédiens, oui. parce que ben, c'est Hollywood, c'est la crème de la crème. On est d'accord. Mais euh, non, pas spécialement, je trouve que... Si vraiment on t'a une opportunité... Tu y réfléchirais à deux fois C'est clair que si j'ai l'opportunité, je ne dis pas que je ne vais pas y aller, mais ce n'est pas mon but, ce n'est pas oui. mon premier okay. but. Je fais du théâtre, je fais du cinéma parce que j'aime bien. Mmh. Et tant que je gagne assez d'argent pour vivre, je suis contente. Je n'ai pas besoin d'aller à Hollywood. Quoi. Ça va derrière okay. <laughs> Nickel Ça va bah, Écoute, Ça va de très bien. Une petite pause, instant, un chez Cage mmh. de glaçons, on est bien. Moi, j'aime beaucoup le respect dans la vie. Et je trouve que c'est très respectueux ce <laughs> que tu es en train de faire actuellement. Ah, ouais, ouais. <laughs> Le film, selon toi, qu'il faut absolument regarder lorsqu'il pleut Harry Potter. Un en particulier Non, tous. Tous d'un coup. Tous d'un coup. <laughs> S'il pleut pendant longtemps. S'il pleut pendant longtemps. Ouais. <laughs> tu te vois plutôt Griffon d'or, Serpentard, Serdeg ou Pouf-Souffle Oh là là, j'ai jamais entendu les noms en français. <laughs> Euh, euh, et je ne saurais même pas te les dire je ne sais pas comment on dit Slytherin, Slytherin. Hufflepuff, Gryffindor, Gryffindor et, et, et Serde Ravenclaw okay. euh, J'ai une fois fait un test sur internet, parce qu'on peut faire les tests ouais. apparemment je suis Slytherin euh, Moi j'ai le seum parce qu'à chaque fois que je fais les tests je tombe sur Poufsouffle, la plus éclatée <laughs> des quatre enfin, j'ai le seum ils disent, ah oui mais vous êtes un blaireau vous êtes loyal ben, bref. <laughs> Tiens. Euh, ton artiste musical préféré, ça peut être un groupe, ça peut même être un album. J'ai pas vraiment d'artiste préféré mais euh, un artiste où j'ai beaucoup écouté la musique en dernier temps, c'est L'Onepsy. C'est un artiste français. Il écrit très bien, je trouve, il écrit vraiment des beaux textes C'est donc... quel genre musical C'est Ouf. Je trouve ça toujours compliqué d'expliquer les genres musicaux, c'est c'est pas vraiment du chant, c'est un truc entre rap et chant mais c'est pas du rap non plus, c'est plutôt c'est de la parole, <laughs> okay. chanter du slam et style grand corps malade um, un grand dépressif qui chante tout le temps comme ça. Direction mais pas, okay. pas exactement. Okay. Le, la chanson à écouter pour être de bonne humeur. Um, D'un groupe allemand qui s'appelle Seat et la chanson s'appelle Ticket donc ticket. Okay. Le métier que tu ne souhaites pas exercer. Podologue, je déteste les pieds. Franchement, je vois mes pieds et je peux comprendre. <laughs> euh, Dieu existe, tu arrives au port du paradis. Que souhaites-tu qu'il te dise Bah, te voilà, finalement. C'est vrai que Dieu <laughs> discute très peu. Ouais. On m'a toujours dit, c'était était pas quelqu'un de très bavard. Ouais, j'ai déjà vu, c'est vrai que... Ton dîner est parfait, tu as le droit à trois invités. Qui invites-tu mmh. En fait, je sais pas, parce que je suis... Je ne suis pas spécialement quelqu'un qui est super intéressé à, à je sais pas, des gens célèbres ou quoi. Je, je serais peut-être aussi, oui, hein. peut aussi un peu euh, intimidée, je pense, par ces gens-là. Je pense que ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir un dîner avec genre, mes parents quand ils avaient mon âge. Mmh. Pour, euh, ouais. Je ne sais pas pour voir, c'est sûrement, ce serait assez marrant. Et puis peut-être moi quand j'aurai l'âge de bizarre. mes parents. C'est intéressant. <laughs> Donc un dîner avec mes parents à mon âge et avec moi. À l'âge de mes parents. Et qu'est-ce que tu leur demanderais, déjà, à tes parents Ouf euh, Mais plein, 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 plein de trucs. Après, je trouvais ça aussi intéressant de, de discuter su sur des, des avis politiques pour okay. voir euh, à, comment eux, ils pensaient à cet âge-là. Parce que bon, mmh. maintenant, bien sûr, beaucoup a changé et tout, mais... Oui, bien sûr. Surtout, je pense, par rapport à tout ce qui touche la politique, tu as tendance à évoluer avec le temps oui. sur, euh, sur beaucoup de choses. Ouais. D'accord, OK. Et puis politique. sinon, voir s'ils étaient cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu demanderais à ton toit de euh, 40, 45 ans euh... C'est comment la péridurale Comment C'est comment la péridurale C'est quoi La péridurale Ouais. C'est une énorme aiguille qu'on t'insère dans le dos pour t'anesthésier pendant l'accouchement. Ah, ah ouais. ouais. Je vais peut-être demander ça, ouais. ouais non, je, je peut-être... Il vaut mieux pas savoir. Non, ouais, il vaut mieux ça. pas savoir. <laughs> Alors, le questionnaire, c'est fini. Tant mieux. Et j'allais ouais, montrer mes belles fiches, t'abuses. Ouais, je sais. Regardez les nouvelles fiches. Et du coup, je vais avoir un tic de merde, je vais pas arrêter de les regarder. Et du coup, Floriano à la fin, il va dire T'as trop regardé tes fiches J'ai toujours le pour foutre la merde. Bonjour, Panoramix. Okay. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu Nickel. D'ivoire. Il y a quoi dans la potion magique aujourd'hui euh, Du jean. Mmh. Là-bas, c'est du jean. Tu as de la, de la gelée de cidre qui vient d'une ferme directement de Normandie que j'ai été chercher moi-même. Euh, citron vert, un petit peu de blanc d'œuf, ça c'est la base. Euh, un petit peu de fruits séchés, un petit peu de fleurs, donc fleurs de violette, et c'est tout. Okay. Et c'est tout. Très. Voilà. Bah, je te remercie. Non voilà. rien. Je te laisse retourner à tes glaçons. Bah oui. <laughs> je foutu la merde. Encore. Et n'hésite pas, hein, fais beaucoup de bruit. On a. On a ah ah les monteurs, ils adorent adore, ça adore, en adore. montage. Les monteurs, ils adorent ça en montage. Vous aussi apprenez la langue française avec Jean-Michel Becherel. À la tienne. Santé. Bonne dégustation. C'est dégueulasse. Bon. <laughs> Comme d'habitude. <laughs> non, franchement, c'est. C'est très bon. C'est tout ce que j'aime bien. <laughs> Je vais éviter d'en abuser. Trop. Du coup, tu as été l'un des principaux rôles de la série Capitani dont Netflix a racheté les droits en 2020. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce tournage Sans trop Beh... se Oui. Ouais. Déjà, c'était euh, le premier grand tournage dont j'ai fait partie. Avant, j'ai fait un court métrage et puis des, des petits trucs. Et euh, donc, c'était très impressionnant pour moi, déjà. Et puis, euh, de travailler avec tous ces gens super professionnels, à la fois les comédiens, mais aussi toute la technique, tout, quoi, tout. Et, euh, mais les gens étaient super sympas. C'était vraiment aussi quand j'ai eu des questions ou parce que j'étais quand même assez nouvelle dans tout ça. Euh, on était vraiment là aussi pour m'aider ou m'expliquer les trucs. Et, euh, après, euh, on, a, on, avait, on a fait tout le tournage en deux mois, donc c'était pas énormément de temps pour, euh, pour quand même 12 épisodes. Et donc, on est allé rapidement. Euh, on a dû. Euh, tu devais être bien préparé quand même pour, euh, pour ne pas des, trop des, perdre des, de temps des grosses des grosses horaires de travail grosse cadence euh, oh, plus ou moins normal je vais dire une journée normale mais dans une journée on faisait beaucoup quand même mmh. enfin je trouvais après j'avais pas beaucoup beaucoup d'expérience de, mais euh, c'était c'était chouette alors justement tu disais avant tu avais fait du court métrage de la scène théâtrale quel a été vraiment pour toi le, le gros gap ou l'élément quand as été sur ces mois de tournage où tu t'es dit on voit quand même que c'est une grosse production et que c'est un autre level que ce que j'ai pu connaître. Ça a été quoi l'élément qui t'a fait dire ça euh, Je sais pas s'il y avait un élément précis, mais bah déjà le court métrage que j'avais fait c'était aussi très professionnel donc là j'avais déjà c'était plutôt là la première fois que je suis rentrée dans ce monde, mais après, Capitani c'était plus grand. Quoi. Euh, mais effectivement, sur le premier court-métrage que j'ai fait, je me rappelle qu'on a, on a un certain euh, « actor's privilege » que je ne connaissais pas, qui vraiment… Euh... Privilège d'acteur, oui. si jamais vous êtes euh, <laughs> vraiment nul en anglais. <laughs> Et euh, je me suis rendu compte que là, vraiment, c'est toujours « tu vas bien ?»« Tu veux quelque chose ?» Ou alors « on te tient tes trucs ?» Ça, je trouvais quand même assez bizarre. Tu n'as pas envie d'en profiter des fois Genre, pas encore. Euh, J'aime la sauce au poivre vert. Euh, ça les trois arbres au Madagascar, allez m'en chercher. Non, je pense que je ne suis pas comme ça. Après, on va voir si ça va, si ça va changer, mais <laughs> j'espère que pas. Comment j'en abuserai tellement. Ouais. Ah ouais. Ah non. Euh... Euh, moi, je pense que je serai un petit con. Bref, euh, oui, par rapport à ton rôle, <laughs> je t'ai entendu. Par rapport à ton rôle, qui est celui de Tania et de Jenny, parce que tu incarnes deux sœurs jumelles. Ça n'a failli ne pas se passer exactement de cette manière-là parce que tu m'avais raconté deux choses en amont. La première étant ils avaient déjà trouvé de vraies jumelles pour jouer ce rôle, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Bah, ils n'avaient pas spécialement trouvé, mais ils, avaient, euh, ils cherchaient des jumelles. Mmh. Et euh, ils ont eu des jumelles au casting et puis il y avait entre autres des jumelles qui étaient... Apparemment intéressé, mais euh, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus non plus, mais okay. je sais qu'à un moment, euh, ils avaient trouvé les jumelles où ils s'étaient dit ⁇ Ah, ça pourrait être elle ⁇ et que finalement, ça n'a pas marché. Et euh, après, euh, moi, je suis bien contente que... Évidemment. Déjà aussi que j'ai pu jouer le rôle de jumelle, parce que c'est un truc à faire, c'est super intéressant, c'est bizarre de se voir deux fois, mmh. de jouer avec soi-même. Donc, euh, pour moi, c'était une chance. Et autre chose, par rapport à l'audition, ça a été compliqué de s'y rendre. La oui. première, si je me souviens bien. Oui, effectivement, euh, j'habitais ben, à Berlin, je faisais mes études à Berlin et euh, j'avais pris un vol pour, euh, pour aller à l'audition au Luxembourg et j'ai raté mon vol. <rire> <rire> la première fois dans ma vie, la seule fois aussi que j'ai raté mon vol. Ça tombe toujours au mauvais moment, je pense, ce ouais. genre d'événement. Je me suis dit, ah merde, et puis comme par hasard, il y avait encore euh, deux autres qui avaient gens que je connaissais de Berlin mais qui habitaient Luxembourg, qui avaient aussi raté leur vol. Donc on s'est pris une Fiat 500 à 4 et on est rentré en voiture Luxembourg et j'ai pu faire mon audition et heureusement. <laughs> euh, Aujourd'hui, quels sont euh, tes projets Je sais qu'il y a du théâtre. Ouais. Euh, alors par rapport au timing, par rapport à quand sortira l'émission, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, mais là actuellement... T'es plutôt revenue au théâtre. Ben, en fait, depuis que j'ai terminé mes études à Berlin l'année dernière, j'ai euh, fait effectivement un peu plus de théâtre. J'ai eu de la chance aussi parce que j'ai terminé juste euh, quand, pendant Corona. Mais euh, j'ai encore eu de la chance parce que Luxembourg, les théâtres étaient quand même ouverts, donc j'ai eu euh, j'ai eu trois pièces, <laughs> trois pièces de théâtre. <laughs> j'ai eu trois pièces de théâtre. Euh... Euh, cette année. Mmh. Et sinon. <laughs> Pardon. Non, pas pas ah. Pardon. Pas de problème. <laughs> T'as pas le j'ai une munition de glaçons pour ta gueule. Pardon. Pas de problème. Donc, oui, j'ai eu trois pièces de théâtre. Et puis, <laughs> qu'est-ce qui se passe <laughs> ah, rien, Et puis, puis j'ai fait encore trois courts-métrages cette année. Et là, j'ai une reprise d'une de ces pièces qui était une coproduction avec Sarbruck, donc les théâtres de la ville. Et le théâtre à Sarrebruck et là on est en train de reprendre la pièce. Okay. Euh, Capitani a vraiment été un gros ouais. succès au Luxembourg parce que tournée au Luxembourg, en luxembourgeois, production luxembourgeoise. Est-ce que toi tu l'as ressenti par rapport à ta notoriété, le, via tes amis ou ton entourage, qui a eu un après Capitani euh, Non, pas spécialement. Déjà, il a fallu un certain temps avant que ce soit euh, qu arrivé sur Netflix et que mmh. ça, a eu, euh, ça a été aussi, enfin, vraiment beaucoup vu euh, au monde. Mais je n'ai pas spécialement l'impression que ça a beaucoup changé. Après, je pense que ça m'a ouvert des portes, bien sûr, et que ça va encore euh, m'ouvrir des portes et que c'est une chance que j'ai pu faire un si gros projet juste au début de ma carrière. Et comment ça s'est passé, le fait de jouer un rôle au niveau de l'écart d'âge, puisque à l'époque où avait lieu le tournage, tu avais 22 ans ouais. et tu jouais le rôle oui. d'adolescente de 15. Oui, ouais, donc j'avais, il me semble que j'avais peut-être 21 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, quelques années de plus que, que mon rôle. Ouais. Et franchement, je pense que ça a été, je pense qu'on peut croire que... Que j'avais 15 ans ou 16 ans, je ne sais ouais. plus. Euh, mais euh, je pense qu'en fait, ce qui m'a aidé à, à jouer ce rôle qui est un peu plus jeune, c'est aussi que j'étais quand même un peu intimidée par tout ce qui se passait, partout. Euh, mmh. C'est oui, tellement professionnel que j'étais un peu intimidée. Et donc, du coup, ça m'a peut-être un peu aidé à, mmh. à jouer ce rôle qui est quand même plus jeune que moi. Ouais. La série Capitanie, qui d'ailleurs, et je sais que je vais me rater dans la prononciation, a reçu euh, quatre prix. Au Lutzburg Film Prize. Lutzburg Film Prize. <laughs> ah, je savais que j'allais mal le prononcer. Euh, dont deux prix meilleure interprétation masculine et féminine pour les deux rôles principaux. Euh, il va y avoir une saison 2. Et apparemment, il y a moyen qu'on y retrouve. On ne sait pas. À voir. Mais en tout cas, je peux dire que c'est une toute nouvelle. Euh... C'est une toute nouvelle histoire, donc euh, c'est l'histoire de mon rôle est finie. Je pense que les personnes qui ont vu euh, la première saison, ils, ils comprennent que l'histoire avec moi c'est fini. Et maintenant, mm -hmm. il, y a, il reste en tout cas euh, Luc Capitani et Elsa Lai, et mm -hmm. les deux, ils... je pense qu'ils ont un nouveau cas ou quoi. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'infos non plus euh, là-dessus. Okay. Donc euh, on va voir. Ça va sortir en février, ça je sais. En février. <laughs> Euh, voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu la série, elle est disponible sur Netflix. C'est une série policière, c'est une enquête. Donc si euh, vous êtes plutôt friand de ce style de série, n'hésitez pas. Tu disais, tu enchaînes entre le Luxembourg, entre Berlin. Quel est ton comparo entre la vie ici au Luxembourg et la vie à Berlin Quelles sont les différences que tu, que tu mmh. désignerais entre ces deux pays Ça veut rien dire. Ben, déjà, quand je suis au Luxembourg, j'habite chez mes parents. <laughs> Alors qu'à Berlin, j'habite euh, avec mes colocs. On, on est à 5 quand je suis là. Mm -hmm. Oui, si, sinon, on est à, ils sont à 4. Okay. Et euh, ben, moi, j'ai remarqué que depuis que je suis partie de Luxembourg, j'étais à Berlin, qu'au début, quand, quand tu habites au Luxembourg, tu dis Ouais, bon, Luxembourg. Pff. Mais quand tu pars et que quand tu reviens, de temps en temps, tu dis qu'en fait, Luxembourg, c'est quand même bien. Il ouais. y a quand même. Plein, plein, plein de choses. Déjà, c'est un pays super beau, la ville, elle est magnifique. Et il se passe tellement de choses aussi dans, dans le milieu culturel, à la fois musique, théâtre, cinéma, dans toutes les directions. Je connais tellement de gens de mon âge qui sont tellement actifs mmh. dans, dans la scène artistique et ça, vraiment, je trouve ça génial. Et toi, donc, tu es natif de Luxembourg-Ville, mais est-ce que tu as grandi dans cette partie-là du Luxembourg oui, j'ai ouais. toujours, euh, toujours habité euh, Luxembourg-Ville. Okay. Euh, parce que tu, tu m'expliquais que tu eu plutôt une culture germanophone. Oui. Parce que c'est vrai que nous, en tant que Français qui vivons au Luxembourg ou qui passons beaucoup de temps au Luxembourg, on a un peu cette fausse idée que les Luxembourgeois regardent les mêmes choses que nous à la télé, ouais. euh, connaissent les mêmes films. Mais c'est un peu un stéréotype, c'est une idée préconçue. Ça dépend, mais en tout cas, moi, ma mère, elle est allemande, donc mmh. euh, j'ai un côté allemand. Mon père, il est belge, donc mmh. j'ai un côté belge aussi. Mais c'est euh... pas grave. Hein, ça arrive. <laughs> non, mais en tout cas, euh, je sais pas. Même si on... mes parents, ils parlaient en français toujours, mmh. donc euh, le français, ça a été une langue que j'ai aussi, j'ai appris quand j'étais petite, quoi. Mais l'allemand, ça a toujours été plus proche de moi. Je sais pas pourquoi. Même mmh. avec mon frère, on parle en allemand. On pourrait parler en français, mais on parle toujours en allemand. Mmh. Et donc euh, ça reste quand même la, la, la langue maternelle. Et donc du coup, nous aussi, ben, moi je regarde surtout la télé allemande, je, je suis partie en Allemagne, mon frère aussi. Euh, après au Luxembourg, c'est très différent. Je pense qu'à la fois le luxembourgeois, c'est une langue qui est plutôt proche de l'allemand que du français, même s'il y a des mots français. Et moi, en tout cas, les luxembourgeois que je connais, ils ont, ils ont plus facile avec l'allemand. Qu'avec le français et donc du coup ils il regardent plus la télé allemande que française aussi. Mmh. Mais ça dépend, ça dépend des gens aussi. D'accord. Tu as déjà deux pieds bien installés dans le théâtre. Tu as déjà deux pieds bien installés dans la télé. Est-ce que tu as une préférence Souvent, euh, on dit les acteurs ou les comédiens ont un peu des préférences entre les deux. Est-ce que c'est ton cas non, pas vraiment. Bah, euh, j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait du théâtre au lycée et euh, je n'ai pas spécialement pensé à faire ça plus tard non plus, mais euh, maintenant que j'y suis, j'aime vraiment bien les deux. Euh, j'aime bien changer justement quand j'ai fait un peu de théâtre, je me dis oh, maintenant ce serait chouette de faire un peu de film, mais j'ai n'ai pas envie de faire un choix. J'aime bien faire les deux et voilà. Et finalement, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience sur Capitanie oh, Ah ben. Plein de choses. J'ai appris énormément de choses. Je pense que même dans les, dans les deux mois de tournage qu'on a eu, au début, j'étais encore très. Je ne savais pas trop, je, je jouais, mais j'étais quand même encore euh, pas très sûre de ce que je faisais. Et je pense que déjà là, dans les deux mois, à force de jouer et de, ben, de travailler sur cette, je pense que là, j'ai déjà appris tellement de choses que. Oui, je pense que vraiment, c'est un métier, tu, tu n'arrives jamais à la fin. T'apprends, 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 apprends, tu travailles, tu bosses, tu. À chaque fois, ça t'emmène un peu plus loin. Est-ce que tu es dans une optique de te dire je prends chaque projet au fur et à mesure Là, tu disais en ce moment, c'est le théâtre. Euh, mais est-ce est que tu es plutôt dans une optique de te dire bah déjà, je sais que dans six mois, il y aura ceci. Dans un an, il y a un tournage. Euh, non, là, pour le moment, non. Je, sais, plutôt, euh, je regarde ce qui arrive. Pour ouais. le moment, j'ai vraiment eu de la chance. Depuis un an que j'ai fi fini mes études, les projets sont tombés. J'ai vraiment eu la chance. C'était juste, euh, j'avais plus rien. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui tombe. Ah, j'ai encore un boulot. <laughs> donc là, j'ai eu de la chance. Pour le moment, j'ai pas grand-chose, mais en même temps, c'est Corona. en train de, les chiffres augmentent. C'est donc c'est pas facile pour le monde de la culture et tout ça. Mais je peux pas du tout me plaindre. J'ai vraiment, euh, eu la chance de commencer, à, de rentrer dans ce milieu. Et je pense que, le nouveau, un, un nouveau projet va tomber bientôt. Est-ce qu'on aura justement l'occasion de te revoir derrière une caméra euh, Sûrement. Dev de devant, derrière. devant. 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 <laughs> Peut-être derrière, bah derrière aussi, mais on verra temps, pas. qu'est-ce qu'on en sait <laughs> euh... Ouais, devant. Pas... Euh... Toi, t'es derrière. Oh, tu peux parler, tu sais, au point où on en est. Hein. <laughs> hein euh, oui, j'espère. J'espère. J'ai fait trois courts-métrages cette année. Donc, ouais. euh, un qui est sorti il y a une ou deux semaines euh, et donc les deux autres qui vont encore sortir. donc, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un moyen de voir euh, tout ça, ces, ces projets, via euh, tes réseaux sociaux, par exemple, puisqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la seule manière qu'on puisse exister dans cette société Oui. Bah, je ne suis pas super, super active sur les réseaux sociaux. Je devrais être un peu plus. Mais déjà, je, je, pour... Je sais pas. <laughs> pour pour, notre, pour le boulot c'est bien, mais ouais, après. Je veux euh... dire, tu penses que professionnellement aujourd'hui être présent sur les réseaux sociaux c'est quelque chose de capita mm -hmm. Pardon. <laughs> eh, J'ai fait quoi <laughs> Ouais, mais en tout cas je pense que pour chaque projet que je fais, je, je poste un truc, je fais, je montre quand même qu'il y a quelque chose. J'ai envie mm -hmm. que les gens viennent voir ou qu'ils regardent le court métrage, la série, quoi que ce soit. Donc je je fais quand même un peu de pub et. Euh, oui, il y a moyen, je pense, par mon, mon site Instagram de trouver ce que je fais. Tu, tu vas devenir influenceuse Non, <laughs> ça vraiment, je pense, c'est pas mon truc. Déjà, je m'étais dit quand j'ai commencé avec un, ben, j'ai fait un compte euh, officiel pour, euh, je sais pas, pour tout le monde, quoi. Et puis, je me suis dit tous les mois, je vais poster un truc, mais ça peut marcher. Tous les mois, hein, c'est pas, pas beaucoup. Tous les mois, poster un truc. Non, c'est peut-être même pas assez. Finalement. Oui, non, c'est pas assez, mais j'ai même, un j même tu pas tu réussi. tous les jours. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. <laughs> J'ai l'impression que je n'ai pas assez à montrer non plus. c'est pas si intéressant que ça. Comment ça s'est passé quand tu as appris que Capitani avait été racheté par Netflix En fait, je pense que je l'ai lu dans un journal où les, les gens m'ont envoyé des messages comme quoi Ah ouais, ça va être sur Netflix. Et j'y croyais pas au début. Je me disais, c'est quoi ça okay. Et puis, de plus en plus, dans certains journaux, ils mettaient. Je me dis, hey, et puis. Euh, ben oui, j'ai écrit, je pense, au créateur et il m'a dit « Ouais, ouais, ça a été racheté. » Ah, cool, cool. Franchement, c'est génial. En, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Je pense qu'eux non plus. Et euh, non, je suis super contente aussi que Netflix, qui, qui euh, rachète de plus en plus de productions européennes aussi, et que, pour montrer un peu que justement, il y a plus qu'Hollywood. Oh. En Europe aussi, il y, a, il y a plein de choses qui se font et plein de bonnes choses qui se font. Oh. Alors, j'avais aussi une question d'ordre technique, mais là, actuellement, je regarde mon réalisateur en me demandant est-ce que c'est un spoil de la série ou pas vraiment. Ça se passe au premier épisode. Euh, bah, on verra si jamais. En fait, tu joues le rôle de Sœur Jumelle et l'intrigue, c'est que l'une des deux décède. Est-ce qu'on est sur du gros spoil Sachant que c'est genre les dix premières minutes. Hein ouais, il y a la bande-annonce. Ouais, bande -annonce. je pense qu'on sait bien. On elle... est safe Ok. Et du coup, il y a des scènes où tu es à la morgue, dans le rôle de ta sœur jumelle. Et je me dis, comment ça s'est réalisé Ils ont tout tourné d'un coup euh, Comment ça s'est passé Parce que c'est euh... quand même des, 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 bah, des scènes où tu es censée être morte. Et comment ça s'est passé au niveau du trucage, du maquillage Comment ça s'est mis en place bah, J'ai été maquillée en tant que morte. Et je trouvais ça intéressant aussi, puisque la maquilleuse m'expliquait que. Comment tu trouvais ça intéressant de jouer la mort Non, bah oui, franchement oui. <laughs> D'accord. Mais entre autres, parce que la, la maquilleuse m'avait expliqué qu'en fait, si elle, maquille, elle me maquillait comme si j'étais vraiment comme, comme... à quoi ressemblait une personne morte, mmh. les gens ne le croiraient pas. Ça ferait trop, genre, ouais, bon, bah, elle okay. est maquillée en morte. Donc c'est un peu euh, genre, truqué pour le film, qu'on oui. se dit, ah oui, elle est morte. Mais... Et par exemple, que normalement, quand tu es couché et que tu es morte, le sang, il descend et qu'en fait, tu es tout bleu ou mauve en bas, mais qu'en haut, ça reste... Tu es pâle, quoi. Donc... Je, je te crois, ça m'est jamais arrivé à titre personnel. Non de... plus. <laughs> en tout de, cas, c'est ce qu'on m'a raconté, je trouvais ça très intéressant okay. déjà, et puis euh, aussi jouer la morte, bah, on se dit il ne faut pas faire grand-chose, mais après, il faut faire gaffe aussi, de, par exemple, de la respiration. C'est ça... ce que je me posais la oui. question. Oui, il ouais, faut vraiment essayer de respirer le moins possible le convoi mm. et le moins. après il y a des il y a des, des qu'on appelle ça ils peuvent mettre des, des c'est pas des filtres mais je vais appeler ça des filtres comme quoi pour qu'on ne voie plus euh, tout mouvement okay. parce que parfois ton corps il fait un petit truc tu peux mm. pas bouger et puis tu sens que d'accord tu bouges un peu et donc là une fois aussi que j'étais passée pour je sais plus quoi euh, mais j'avais parlé avec le créateur aussi de la série et il m'avait montré euh, les deux euh, Enfin, les deux plans, une fois où ils n'avaient pas encore mis ce truc, on voyait, si tu faisais euh, si tu le laissais jouer plus vite, tu voyais que mon bah, ventre, ça, ça augmentait quand même, ça, ça bougeait. Alors, mm. quand ils ont mis le truc, il y a vraiment plus rien qui bouge. D'accord. Donc, il y a des trucs pour faire après. Je ne m'y connais pas très bien. Ça, c'est des trucs techniques. Mm. Eux, oui, ils doivent savoir. Tic et tac. Lui, tac. Tac, et doit savoir. Mm. Euh... Oh, J'allais faire un énorme spoil sur un film, mais je me dis, en même temps, on peut le faire. Parce que le fait que tu joues des sœurs jumelles, donc deux fois le même personnage, ça me fait penser à un film avec Hugh Jackman et Christian Bale. Mais du coup, c'est un énorme spoil. Ou pas Ouais, quand même. Bah ouais, c'est l'intrigue du film. Bon bah... En fait, à la fin, on apprend qu'ils sont deux. Voilà. Euh, donc, du coup, Christian Bale qui joue son rôle et le rôle du frère jumeau. Je ne vous rappelle plus le nom Ah oui, je ne vous... peux plus rien à foutre. Ah, je suis en roue libre. Euh, tant pis, vous aviez qu'à voir le film. Il est sorti il y a très longtemps. Il s'appelle comment le film mais Je sais, mais de Nolan, euh, avec Jackman et Christian Bale, où ils sont magiciens, les deux. Prestige, voilà. Et donc, vu. on apprend à la fin <laughs> des eaux que, du coup, Christian Bale, bah, en fait, il a un frère jumeau. Et du coup, euh, on voit, quand on revoit le film une deuxième fois, qu'il y a une différence de jeu d'acteur. Est-ce que, toi, justement, tu t'es dit, vu que je joue des sœurs jumelles, je dois absolument complètement faire l'opposé. Comment justement tu vas essayer de te dire. Euh... Il y a un petit curieux là-bas. Bonjour monsieur. Comment tu as essayé de te dire justement, faut qu'on différencie absolument euh... mm. comment tu t'es mis dans la peau de sœur jumelle alors que tu n'es pas à toi toute seule une sœur jumelle. Oui, c'était <laughs> c'était pas facile. <laughs> Voilà pourquoi il ne faut jamais improviser de questions et toujours s'en tenir aux fiches. Vous avez vu nos fiches, elles sont belles. C'était quoi la question Du coup, le fait de jouer des sœurs jumelles Allez. alors que tu es une seule personne, comment tu t'es mis dans la peau bah, Déjà, je me suis un peu informée sur des jumeaux, jumelles. Ouais. Euh, J'ai lu pas mal de choses, mais après... Je joue surtout un rôle, parce que l'autre, elle est morte, quoi. Bon, C'est vrai qu'à un oui. moment, il y a des flashbacks et tout ça, oui. donc on la voit aussi, mais euh, peu. Et donc, j'étais plus concentrée sur le rôle principal, la jumelle que j'avais. Et euh, après, pour jouer les deux aussi, il y a une scène où je joue les deux, c'était... Euh, déjà, techniquement, c'était assez compliqué. Et puis aussi... Changer, tout, changer de costume et puis rechanger et faire gaffe à plein de trucs. Et euh, après, je me suis juste préparée en sachant que tu, tu rentres dans la scène avec une autre intention. et Oui, tu es une autre personne. Mais je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, euh, ce n'est pas que j'ai vraiment. Euh, enfin, si j'ai créé les deux jumelles et je savais bien laquelle était la, laquelle mmh. et laquelle était la plus dominante. Mmh. Il y a souvent ça chez les jumelles. Oui. Après c'est très compliqué aussi, mais j'ai pas envie de, de faire un spoiler, donc euh, mm. c'est ouais. C'est compliqué. Ouais. Mais compliqué. es quand même parvenu. et es bien parvenu Oui, oui. Du coup, on va pouvoir passer au mini jeu, qui est un hommage, <coughs> un plagiat de l'émission Burger Quiz euh, mm -hmm. que j'aime beaucoup. On a compris, tu as fait et tu fais actuellement euh, du théâtre. Tu as un pied sur la scène, mais tu as également un pied dans le long et le court métrage. Le jeu, c'est cinéma, théâtre ou les deux Exemple, Racine, Beckett ou encore Shakespeare, s'y si démerdent pas mal, on va pas se mentir. Est-ce que c'est le théâtre, est-ce que c'est le cinéma ou est-ce que c'est les deux Le théâtre. Après, il ouais. y a des films qui ont été faits à base d'histoire. De... Mais... Ne commence pas à compromettre mon jeu. <laughs> non, je... Oui, non, Racine, Beckett, c'est ça. En fait, c'est du théâtre. Mmh. Ouais. Donc, on va pouvoir commencer. Les mises en scène sont parfois chaotiques, les acteurs ou comédiens pètent plus haut que leur cul et la drogue tourne beaucoup. Cinéma, théâtre ou les deux Tu peux répéter <laughs> Les mises en scène sont parfois chaotiques, les acteurs ou comédiens pètent plus haut que leur cul et la drogue tourne beaucoup. Bah, les deux. Ouais. <laughs> le travelling compensé, le plan séquence ou encore Michael Beck adore faire exploser des trucs sont des piliers de cet art. Cinéma le Kabuki est une forme traditionnelle japonaise de cet art. Honnêtement, je ne sais pas, mais je vais théâtre. dire... Théâtre. <laughs> J'ai entendu. Même dans une production aussi importante que la nôtre, il y a de la tricherie. <laughs> voilà. C'est n'importe... Ça me scandalise. Elle est bonne, J'espère le... qu'au moins, c'est juste. Le comportement... Bah, t... Que dis-tu Tiens. Honnêtement, je ne suis pas sûre si ah, c'est juste, si c'est lui ah, qui le dit. Ah, c'est pas toi qui joue. C'est pas toi qui joues. Donc c'est... Bah, à toi de me le dire. Est-ce que je lui fais confiance ou pas Bon, je voulais dire théâtre de toute façon, donc je veux dire théâtre. C'est ça, c'est le théâtre. À ses débuts, on se réunissait pour y, célé... pour y célébrer un dieu. Généralement Dionysos, en dansant dans un état de transe, avec dans les mains des énormes répliques théâtre. en bois de pénis. <laughs> théâtre. Ouais. Ouais. Les débuts du théâtre grec antique, mesdames et messieurs. J'imagine beaucoup la scène, ça devait être très <laughs> drôle. Et, et ben c'est déjà fini. Pour le mini-jeu. Car il reste les opinions impopulaires. C'est le moment où tu vas devoir te mouiller, donner ton avis sur des sujets de société qui dérangent. Chien ou chat, thé ou café. Bref, tu as compris, tu vas devoir ouais. te mouiller. Je plaisante, mes opinions impopulaires sont beaucoup plus tendancieuses que cela. Opinion impopulaire, non. L'important, c'est pas de participer, mais de gagner. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité de perdant si on veut être bon dans un sport de haut niveau. Il ne faut pas se contenter de la deuxième place. On parle du sport de haut niveau ou en gros <laughs> Du sport de haut. Bah, En même temps, moi, je trouve que le sport euh, démarre tellement jeune. Ouais. Moi, je le vois aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'au foot, tu vois les gamins à 8 ans qui sont poussés par les parents. Mais du coup, euh, oui, le sport de haut niveau, le sport en général. On, On dirait plutôt participer, c'est... L'important, c'est plus de participer. Ouais. Après... <laughs> Pas au Monopoly. Je <laughs> suis nulle au Monopoly, donc. <laughs> Moi, je suis désolé, à la puissance 4, je veux l'emporter. <laughs> non, participer. Même si, après, il faut toujours donner, faire de son mieux, si tu as envie. Déjà... Tu participes juste si tu as envie. Et puis, il mmh. euh, faut toujours faire de son mieux, je trouve. Mmh. Après, pas tout le monde doit être le meilleur ou la meilleure dans mmh. tout. Après, tu, si tu vois, par exemple, tu prends les États-Unis ou, enfin, j'allais dire la Russie, mais ils sont tellement dopés durant ces années que c'est peut-être pas un bon exemple. Mais les États-Unis euh, ou la Chine, qui, euh, à chaque fois aux Jeux Olympiques, euh, rafale les médailles par dizaines et qui ont vraiment cette mentalité de le sport avant tout. Oui. Est-ce que finalement c'est peut-être pas ça la bonne recette Je sais pas parce que je pense pas que les athlètes sont finalement qui vont très bien ni corporellement ni ni euh, émotionnellement. Ah, oui, je pense qu'il y a de la dépression dans l'air, oui. Donc, euh, c'est sûr. Ouais, non. Je pense que c'est plutôt contre-productif. Ça se dit ouais. Contre-productif. Contre Après, est-ce qu'une belle médaille d'or, ça <coughs> vaut pas une grosse dépression Non. C'est quoi, c'est quoi une médaille d'or Tu l'as et puis tu... Je sais pas, tu la mets quelque part et puis... Et puis t'es dépressif et... Il te faut quelques années pour en sortir, si t'arrives à t'en sortir. Ouais, c'est pas sûr. Deuxième opinion impopulaire. Les festivals de musique deviennent obsolètes avec le temps. Il faudrait les arrêter. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Festival de musique, c'est... Mmh. Plus camping, la totale. Carrément Ouais. Ah ouais. Après, j'en ai que fait au Luxembourg, je pense. Ouais. Okay. Donc, encore, euh, Toi, t'aimes beaucoup l'ambiance euh, festival euh, Oui, quand même. Ben, pas toujours. Mmh. Je, quand quand j'en ai envie, oui. Euh, moi, ce que j'aime bien, par exemple, au Luxembourg, justement, des festivals comme Food for Your Senses, où j'étais euh, quelquefois, il y a beaucoup d'artistes luxembourgeois aussi, justement, et ça, je trouve ça chouette. Et puis, ça mmh. donne aussi, tu rentres au Luxembourg, tu vas au festival et tu retrouves plein de gens que tu connais. Mm -hmm. Des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Et puis, euh, tout à coup, tu trouves trois jours euh, euh, collés l'un sur l'autre, euh, les tentes euh, une mm -hmm. à côté de l'autre. Tu vois, tu, tu retrouves des gens et tu, tu reprends le contact avec des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Et ça, c'est Luxembourg. Oui. Bah, après, c'est vrai que je pense que le, le côté humain euh, rentre pas mal en compte. Moi, je me souviens, à l'époque où je vivais en Auvergne, il y avait le festival, je crois que c'était Aléla. Ça se trouve, je suis complètement en train de massacrer leur nom. Mm -hmm. Et c'était vraiment un festival. Participative dans le sens où l'entrée n'était pas payante, tu donnais ce que tu pouvais. Et en fait, limite, tu étais, étais un festivalier, mais tu étais aussi un bénévole mmh. parce que tu les aidais. Tout était plus ou moins gratuit, c'était de l'entraide. Et je trouve que cette approche-là, elle est en effet intéressante. Mais maintenant, quand tu vois le streaming, quand tu vois qu'avec le confinement, il y a beaucoup d'artistes qui ont développé le live, que parfois le festival. Bah, tu as l'argument pécunier qui rentre en compte, tu n'as pas forcément les moyens, tu n'as pas forcément l'argent pour te en, en festival. Et il y avait un journal, et vu que je suis quelqu'un de professionnel, j'ai complètement oublié lequel, posait justement la question de, de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ouais, les, les festivals de, de musique, c'est pas en train d'être un peu euh, hors mmh. sujet Je trouve pas. Justement, euh, parce que euh, ben, on s'est retrouvés retrouvé quand même enfermés et qu'on a envie de ressortir, quoi. De... Mmh. De voir des gens, écouter la musique en live, aller sur des concerts. En tout cas, moi, je me rappelle qu'après le confinement, ou après avoir été vraiment beaucoup à la maison, de, de me retrouver dans une salle. C'était une salle Non, même pas. C'était open air, un concert. Mmh. C'était juste génial. À l'air libre. Ouais. Révisé à l'école. Pardon. <laughs> non, ça <va. rire> Troisième opinion impopulaire. Et celle-ci, je l'assume. Je vais me faire incendier, mais ce pas grave. Incendiez-nous, ça fait parler de nous. Je ne comprends pas ce que le public trouve à la série Game of Thrones. Ah, moi j'aime bien. Oh putain. Moi j'aime bien. Il m'a fallu un peu de temps pour rentrer et puis aussi au début c'était avec les acteurs. Ah bah mes, pas les avec... acteurs, hein. Pardon. Ah. Non, trop tôt. T'as tout tôt. vu Non, moi okay, je, bah, suis, je alors me suis vraiment. alors c'est le début quoi. Ah, moi que... j'ai vu la série. Franchement pareil, je vais spoiler mais j'en ai rien à foutre. La saison 1, <coughs> il tue Boromir. Enfin, Sean Bean, l'acteur qui joue uh, Stark là. Et déjà, tu ne tues pas Boromir. Boromir, il est déjà mort dans le premier Seigneur des Anneaux. <laughs> tu n'es pas obligé de tuer de cette fois. <laughs> et franchement, la, la saison 2, j'ai arrêté au bout de quelques épisodes. Et je sais que les gens vont dire, eh, mais après, il y a eu le budget, machin. J'avais vraiment l'impression de voir Seigneur des Anneaux version AliExpress. Ah, je trouve pas. Moi, moi j'ai vraiment bien aimé, mais comme je dis, il m'a fallu un peu de temps pour rentrer. Et puis, on m'avait dit, oui, on regarde Game of Thrones et tout, on en a parlé. Je ne sais pas, c'est un truc un peu ça avait pas l'air de quelque chose qui m'intéresserait mais on a commencé à le regarder en colloque et euh, il m'a fallu genre quelques épisodes pour rentrer puis finalement j'ai vraiment bien aimé surtout aussi que justement t'as des des caractères euh, des, des des rôles qui bah, qui meurent et tu ah oui, voilà. tu t'y attends voilà. pas quoi alors que normalement je sais pas tu regardes des films normaux et toujours euh, tu sais bien que lui il va pas mourir parce que c'est son histoire quoi alors mm -hmm. que là tu dis mais comment ils vont continuer il est mort <laughs> et plein enfin c'est pour ça c'est pour ça que à la, au début je trouvais ça quand même intéressant, j'ai continué et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et qu'est-ce que tu en as pensé de la fin de cette série qui a tant fait parler de Go Bah, pas grand-chose. La, la fin était effectivement pas top. On s'attendait à plus. Et puis, euh, ouais, je ne me rappelle même plus trop qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Déjà, il y a, y a tellement de choses qui se passent genre pendant toutes les, toutes les saisons. Que, et puis là, à la fin, c'était... Ça aurait pu être mieux. Ouais. C'est ce que je peux comprendre. Dernière opinion impopulaire. Arrêtons de prôner le célibat et la solitude à outrance. L'être humain n'est simplement pas fait pour vivre seul. Mieux vaut vivre mal accompagné que seul. Non. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Ouais. Parce que. Moi, je suis, je suis très euh, solitaire en fait. J'aime bien être seule. Ouais. En même temps, j'aime bien aussi d'être avec des gens, mais alors avec des gens que j'aime bien. J'aime pas être avec des gens qui, qui me font chier, donc euh, oui, clairement. Ça euh... peut se comprendre. Ouais. ouais. <laughs> voilà. Et et tu trouves pas justement que euh, on a un peu cette tendance sans le côté euh, oui, je, bien sûr, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais moi, j'entends de plus en plus et parfois des gens de ma génération. Tu ah, je préfère être seul, machin. Mais moi, je, je, à titre personnel, je reste convaincu que l'être humain n'est absolument pas fait pour vivre seul. Ça, non, ouais. Je pense qu'on a besoin de gens, on a besoin de voir mm. des gens. Après, il ne faut pas être spécialement en couple. Tu peux. Non, non. Tu non. dois pas être. Tu peux euh... être en couple, par exemple. <laughs> mais je même, peux. Tu, peux être, tu peux être seul, mais si tu as, si as un entourage, ouais. ça, ça suffit aussi, quoi. Et enfin, est-ce que toi, tu as une opinion impopulaire, cette Pensée qui généralement fait lever les foules, ou en tout cas tes potes ou ta famille euh, Je ne sais pas si c'est une opinion impopulaire, mais j'aime bien manger du, enfin, du pain, mais genre couper du pain très très fin, le griller qu'il soit presque brûlé, puis mettre du beurre et du sel pour que le beurre y fonde. Donc ça sent toujours le pain brûlé, mais il n'est pas brûlé. Alors je ne sais pas si on peut dire opinion impopulaire. Parce que ce n'est pas très populaire. Je pense qu'on peut appeler une unité psychiatrique. Par contre, si tu veux en parler. Euh... <laughs> ce sera pour le prochain épisode. <laughs> du ouais. pain très très fin. Et comment tu ouais, le brûles Genre gris pain Oui, oui, je le mets dans. dans Puissance 20... 10. Non, genre, il n'est je... pas brûlé, mais genre qu'il soit bien croustillant. Ah oui, bien croustillant. Genre... Et parfois, il brûle un peu et puis j'enlève ah. ce qui est. Mais euh... après, j'aime bien allumer des... des allumettes dans mon grenier. <laughs> Et mettre de la paille. J'aime le feu. Ok. Et ben, bah, n'hésitez pas en tout cas à nous dire en commentaire YouTube ou sur Facebook si vous aimez manger du pain euh, brûlé euh, avec du beurre et du sel. Un employé de l'hôtel vient actuellement de décéder. Euh, les obsèques du petit Laurent auront lieu à l'église Saint-Sulpice du Bourbonnais mercredi 15 décembre. Euh, non, techniquement, on sera un... Bref, je n'ai pas le calendrier dans la tête. <laughs> euh, en tout cas, merci Gilles. Avec plaisir. Merci au Grand Hôtel euh, Crava et à Carlo Crava euh, d'avoir accepté qu'on puisse tourner au sein de son établissement. Par rapport au moment où sortira l'épisode et aux nouvelles réglementations Covid, grosse force euh, à tous les employés du milieu de la nuit, du milieu de la culture, du milieu de la restauration. Euh, on espère que vous tenez le coup. Également euh, un petit message pour vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et je pense qu'on est bon. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, maintenant, on a des fiches. fuck <laughs> Voilà.